C'est terrible. C'est terrible. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Mais qu'est-ce qu'on vous a fait, enfin, franchement? Mais qu'est-ce... On a le meilleur système de retraite. Le meilleur système de retraite. Laissez-le parler, laissez-le parler. Hérité du Conseil national de la résistance. Et aujourd'hui, vous venez tout foutre en l'air. Attendez, laissez-moi terminer. Tout foutre en l'air à l'approche des fêtes de Noël. Et je ne... Mais arrêtez-vous. Je suis un peu gêné. Mais arrêtez-vous. Je vais finir dans le même temps. La réforme sur les indemnités chômage, vous avez été enlevé 3 milliards. 3 milliards pour les chômeurs. 800 000 personnes vont tomber dans la précarité. Dans le même temps, vous supprimez l'Observatoire national de la pauvreté. Vous faites ça dans le même temps. Et aujourd'hui, vous nous dites, il y a un peu de bruit dehors. Non, mais c'est alors, bon. On va finir de convaincre. Vous arrivez avec quelque chose qui tourne sur trois pattes. Vous savez quoi? Vous me faites penser à un conseil en assurance qui, une fois que vous avez ouvert votre porte, vous mettez le pied dedans et vous dites, on va vous le vendre. Même si vous n'en voulez pas, on va vous le vendre. Bon, Charles, c'est continue. Ça. Je voudrais en pas, ce moment, je... j'ai l'impression que même si vous merci nous proposiez, même si vous nous proposiez un billet de 50 euros, on ne le prendrait pas. On se méfie du piège à loup qui est en dessous. J'ai l'impression que là, on est à un point où on doit faire un choix de société. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut crever au boulot? Est-ce qu'on veut crever au boulot? Est-ce qu'on veut à 62? C'est ça? Caricatural. Moi, j'ai pas envie de crever au boulot.